Si toi aussi tu veux jouer avec les meilleurs joueurs et avoir ton équipe de rêve et un max de crédit, n'hésite pas à aller voir FIFA Coin. T'as 5% de réduction avec le code Clopis et 100% sécurisé, livré très rapidement. Tout est dans la description. Eh bien salut les amis, c'est Clopis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, simplement pour de l'achat-revente encore une fois, puisqu'on se rapporte beaucoup de crédit en ce moment. N'oubliez pas de lâcher le gros like comme d'habitude pour le soutien, une vue, un j'aime, ça fait vraiment plaisir. Et aujourd'hui on se retrouve, je sais le décor n'est pas pareil derrière, mais c'est pas très grave. Aujourd'hui on se retrouve pour parler achat-revente. Voilà, ça fait 2-3 jours que je vous avais un petit peu délaissé entre la vidéo du Racing et entre des jours sans vidéo, simplement une petite pause, voilà. Hier j'ai essayé de terminer mon Foot Champion, c'est parti en latte, mais bon ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et donc voilà, vous avez vu, on a fait beaucoup de ventes en Tech Avion. Donc sur des cartes orange, sur des cartes Halloween, sur des cartes boost, sur des cartes Hero, sur des cartes Record Breaker ou je sais pas quoi. Bref, de la Tech Avion en masse, en veux-tu en voilà. C'est la technique du moment qui rapporte des crédits en masse. Vraiment, il n'y a rien de plus facile pour gagner des crédits. Alors certes, il y a quelque chose qui est assez compliqué, c'est de trouver le bon moment pour investir. Donc là, voilà, dans ma pile, j'ai encore des joueurs en Tech Avion et des joueurs en Tech changement de poste, etc. Donc je vais vous montrer mon bénéfice transfert depuis le début de la semaine, sachant qu'à l'heure actuelle, on est mardi. Bénéfice transfert, on est à 18 millions, c'est pas la question. On est à 4, presque 500 000 bénéfices transfert en même pas une semaine, tu vois. Donc là, il y en a qui disent, depuis, c'est pas possible de faire un million. Les gars, si on est à 500 000 en moins de 2 jours, on peut largement faire le million, tu vois. Donc, c'est ce qui rapporte le mieux. Donc là, vous allez me dire, mais Clopis, quand est-ce qu'on investit? Comment on reliste? Voilà, comment on achète, etc. Donc, c'est très, très simple. Le mieux, c'est d'investir le dimanche en fin de journée. T'investis le dimanche en fin de journée, bam, tu relises direct, tu vas directement faire des reventes. Et le lundi, tu vas vendre en masse. Pourquoi? Parce que lundi, ça vend tout le temps, c'est comme ça. Le mardi, tu vas un peu moins vendre. Il faut le savoir aussi, hein, c'est toujours comme ça. Mercredi, ça va revenir un tout petit peu à la hausse. Le jeudi, ça va remonter. Vendredi aussi. Le samedi, ça va un petit peu se stabiliser. Le dimanche, c'est le moment où les prix baissent légèrement. C'est à ce moment-là, justement, que tu rachètes tes ventes. Donc, tu peux racheter tes ventes tout le temps. Hein. Faut juste réussir à choper le joueur à un prix intéressant. Donc, notamment, je vais vous montrer un exemple très simple. Batshuayi. Batshuayi, par exemple, on vient de le vendre 38 000. Enfin, on ne vient pas de le vendre, mais on l'a vendu 38 000. Donc, pourquoi est-ce qu'on pourrait le racheter et à combien on devrait le racheter? Donc, 38 000, ça voudrait dire qu'il faudrait l'acheter maximum 34 000. Pour pouvoir le revendre à un prix intéressant, tu vois. Forcément, les prix sont un peu montés. Hein. Faut savoir, ça monte toujours forcément puisque tu vends le lundi, donc les prix montent. Et je crois qu'on n'arrivera pas à le choper à un prix intéressant. Donc là, j'ai dit qu'il faudrait le choper à 34 000 pour le choper à un prix intéressant, pour le revendre en dessous de 40 000 pour facilement le revendre. Donc là, il n'y est pas. Donc, soit ce que vous pouvez faire, c'est soit de la Tech 59 pour essayer de choper la carte, soit vous essayez de les choper aux enchères. Aux enchères, il y a des bons plans. Hein. Je vous dis clairement, bon, là, il y a le Batshuayi TW qui vient bien un peu gâcher la recherche. Mais sinon, ce que vous faites, vous mettez en prime max, là, vous mettez 35 000. Vous ne pouvez pas l'acheter plus de 35 000. Voilà, tac, tu essaies de choper aux enchères ce que tu peux aux enchères. Donc, pas le boost. On veut le boost. Voilà, donc là, c'est un peu plus compliqué. Les cartes, les prix remontent légèrement. Mais en Tech 59, il y a moyen de récupérer la carte à un prix intéressant. J'en ai acheté avant la vidéo pour vous montrer. Donc notamment, je vais vous montrer 3 ou 4 exemples, même un peu plus. Notamment l'exemple avec... où est-ce qu'il est? Regardez, bougez pas. Benatia a vendu 56 500. Ok, vous retenez. Benatia a vendu 56 500. Ensuite, j'ai racheté qui? Je crois que j'ai racheté Kedira. Kedira, Alves vendu 48 000. Kedira vendu 39 000. Ok, je vais vous montrer à quel prix on les a rachetés. Pour vous montrer qu'on peut racheter tout le temps. Il faut juste chercher. Donc lui, on a dit, on l'a vendu 56 500, on l'a acheté 55 500. Si vous prenez le téléphone, 50 500, vous faites 50 500 pour 1,16, on est à 58 500. On est à 2000 crédits plus cher à la revente que la carte vendue précédemment. C'est encore raisonnable. Lui, on l'a vendu 48 000, celui-là, on l'a acheté avec 42 000. Donc là, c'est vraiment bénef. Bougez pas. 42 250 fois 1,16. On est à 49 000, voilà, on l'avait revendu 48 000, donc c'est bénef. Et Kedira, on l'a acheté, on l'a vendu 39 000 le dernier, et lui, on l'a acheté 34 750, qu'on multiplie par 1,16 pour avoir le prix de revente, on est à 40 000 à peu près. Donc vraiment, vous voyez, on arrive à récupérer les joueurs, même si les prix montent, c'est sûr que ça prend un peu plus de temps de les racheter. Mais ensuite, vous savez que vous allez les revendre facilement. Lui, c'est pareil, je l'ai acheté 41 000, le dernier, j'ai dû le revendre 46 000, donc ça va se revendre. Mais je suis conscient que ça prend du temps. On va essayer de chercher un joueur ensemble.
Après, il y a certains joueurs qui peuvent se vendre un peu plus cher, notamment les joueurs entre 20 et 30K. Talisca, on l'a vendu 22 000. Est-ce que là, le prix est encore en dessous de 20 000? Si le prix est en dessous de 20 000, on peut se l'acheter, il n'y a pas de souci. Donc l'objectif, c'est d'acheter un maximum de fois. Mais ça ne sert à rien d'acheter pour acheter. Il faut acheter intelligemment dans le sens où derrière, vous voulez récupérer des crédits. Donc là, on l'a vendu 22 000. Ouais, si on arrive à choper à 18 000. Ouais, lui, tu vois, il y a largement moyen de choper. On l'a vendu 22 000. Ça veut dire que si maintenant on l'achète le moins cher qui est disponible sur le marché, à notamment 18 000 par exemple, 18 000 fois 1,16, ça fait même pas les 22 000. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, il y aurait largement moyen de l'acheter. Je vais essayer de le chercher en MC parce qu'en MC, il sera plus facile à la revente parce qu'il n'est pas les MOC de base. Mais vous voyez que c'est pas compliqué. Et si après, vous voulez encore. Si après vous voulez encore gagner des crédits, bah là, Talisca, vous essayez de le choper aux enchères. Aux enchères, le boost, il doit tourner voilà, 19 000. Surtout que sur les petites cartes, il y en a beaucoup, hein, il y a beaucoup de choix. Ouais, pas tant que ça, mais voilà. On va essayer de le choper lui, comme ça, je vous montre en live comment ça marche. Et si après vous êtes pressé pour faire des crédits en masse, bah faites cette technique. Voilà, 18 750. Faites cette technique-là sur des légendes. Sur des légendes, si vous avez vraiment trop de crédits. Mais Talisca, on l'achète, voilà, je vous montre en live, il n'y a pas de souci. Ensuite, on va essayer de prendre un autre exemple. Donc, les cartes entre 15 000 et 30 000, c'est vraiment simple parce qu'il y a vraiment des légères variations. Sergi Roberto, par contre, lui, il faudrait l'acheter en dessous de... Sergi Roberto, il faudrait l'acheter en dessous de 26 000, 27 000. Ouais, mais en DLD, à Udelinx, non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens d'acheter cette carte-là comme ça. Quoique, là, aux enchères, il y en a à 25 000. Ça se tente. Mais voilà, ça demande un peu plus de temps. Je suis d'accord avec vous. Sinon, vous pouvez très bien faire de la tête changement de bot, de la tête 8 millionnaire à côté de ça. Là, il n'y a pas de souci. Après, ce qui marche bien en tech joueurs spéciaux, c'est ceux de première ligue, forcément. Enfin, on va pas se le cacher. Giroud en carte violette. Combien il coûte? 47 000, 48 000. Ouais, pareil, là, il y a les enchères qui peuvent être intéressantes. 45 000, si tu arrives à choper 45 000, c'est pas mal. J'en ai vendu un 52 000 ce week-end. Donc, en tant qu'affaire, là, on essaye un peu de tech 59 là-dessus. Et au fur et à mesure, vous trouverez des affaires. Mais c'est compliqué. Je vous le cache pas, ça prend du temps. C'est compliqué de trouver les affaires, etc. Parce que, justement, les prix sont un petit peu montés par rapport au dimanche soir. Mais c'est ça qui rend le truc bien. Parce que si vous arrivez à le choper au prix que vous souhaitez avoir le joueur, vous êtes sûr de le revendre dans la foulée. Vous continuez à faire des crédits. Vous n'êtes pas obligé d'attendre le prochain week-end pour réinvestir, etc. Si vous voulez continuer la tech avion. Hein, la tech avion sur les joueurs, les cartes spéciales, on peut la faire. Ouais, non, ça peut être, c'est pas une très grande différence, tu vois, mais ça tombe, les joueurs tombent. Là, encore un exemple. Donc, faut juste un peu balayer le marché, faire au cas par cas, comme je le précise tout le temps. Pour ceux qui pourraient me poser la question, vous pouvez le faire sur tous les joueurs boost, hein, il suffit de regarder ceux qui sont en baisse, ceux qui sont en hausse grâce à Futbin. Notamment, j'ai fait une vidéo explicative sur la chaîne il y a très peu de temps, donc je vous invite à aller voir ça pour ceux qui se posent la question comment ça fonctionne, etc. Au moins vous aurez des réponses à vos questions et vous pourrez continuer de faire de la tech avion sur les cartes boost non-stop tout le temps, simplement en vous basant sur le prix moyen, etc. Savoir si ça monte, si ça baisse. Futbin, c'est vraiment très intéressant pour ça. Donc Giroud, non, ça passe pas. Qui est-ce qu'on a vendu? On a Germain. Germain a vendu 31 500, pardon. Combien est-ce qu'on peut? Germain, voilà, Germain. Vendu 31 500. Donc l'idéal là, c'est de choper en dessous de 30K. Hein. Vous le savez, vous comprenez. Ouais, on l'a vendu de 31 500. On peut l'avoir à 27 000, 28 000. Ok. On va essayer de l'avoir un peu moins cher en tech 59, histoire de continuer à se faire un peu plus de bénéf. Toujours plus. Lui, on va le prendre, tu sais pourquoi, il est à 27 750, il a 99 contrats, quelqu'un lui a mis une carte, tous les attributs, là, il est prêt à revendre en tech avion, tu vois, tu le prends, tu ne poses pas de questions, tu vas le revendre, c'est une carte que tu vas relister 4 000, 5 000 crédits plus cher, tu vas le revendre. C'est vraiment pas compliqué, hein. Je vous montre en live là qu'on arrive à acheter des joueurs. Après, Obiang pareil, Obiang, c'est un joueur qui a 81 en général, non, c'est pas, coûte pas très cher, donc Obiang. Tac, en plus il a une très belle carte, hein, une très belle carte encore une fois. Tu vas essayer de le choper à 15 000. 16 000 à la rigueur. 16 500. Ils sont en MC tous les deux, c'est parfait. 16 750. Une DC, ouais, mais il est en pilier. Oh, on va le prendre.
On va le prendre, on va privilégier cette carte, même si elle n'a pas de changement de poste, parce que piller, c'est intéressant. Et voilà, encore un exemple. C'est pour vous montrer qu'on peut racheter tout le temps. Il faut juste être attentif et pas faire n'importe quoi. Il faut réfléchir, prendre le temps de regarder au cas par cas, et vous voyez que ça marche. Hein. Vraiment, j'invente rien, vous voyez les ventes. Hein. Et encore, mes collègues youtubeurs, ils font pareil, ils font même mieux. Moi, je suis loin d'être le meilleur. Mais voilà, je vous montre encore une fois un condensé de tout ça. Il faut y aller au cas par cas, il ne faut pas forcément racheter le joueur que vous avez vendu, mais regarder par rapport à ceux qui baissent. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve peut-être demain pour un live ou alors une nouvelle vidéo. C'était avec le plaisir. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de vous follow à mon Twitter, d'activer les notifs pour ne rien louper. On se retrouve très vite. C'était avec le plaisir. Prenez soin de vous. Bye tout le monde.